Hi. Le mot c'est la D. C'est la D. Je le dis tout le temps. Il y a un problème. Ah, c'est salut tout le monde. J'ai quelqu'un me goûter un hein, 3000 en deux secondes. Dis-nous tout. J'attends que voilà, ça arrive. Donc, en gros de gros. C'est pas ça. Qu'est-ce qui se passe? Alors moi je voulais rectifier des petits trucs je voulais rectifier des petits trucs parce qu'on parle beaucoup sur moi. Voilà, on raconte beaucoup de la merde sur ma gueule de la part de vous savez qui. Voilà. Donc on me fait passer pour une menteuse, on m'a dit que je mens parce que sur mon dernier live j'ai dit qu'on m'avait trompé. Et en fait vous êtes tous partis sur son live à lui en disant ouais t'as trompé d'année, etc. Et cette personne en question a répondu mais ça me choque de mentir à ce point là, etc. C'est Félix de qui tu parles, oui, voilà. Et donc, on me fait passer pour une menteuse comme quoi on m'a pas trompé, nanana, jamais j'ai fait ça. Donc là, pour rectifier la chose, il m'a trompé deux fois. Donc ça sert à rien de raconter de la merde en disant non mais c'est faux, c'est ouf de raconter de la merde comme ça. Je sais encore ce qui se passe dans ma vie. Donc lui, s'il veut pas raconter ça, c'est parce qu'il a peur. Il a peur des conséquences, il veut pas assumer. Sauf qu'au bout d'un moment, quand tu fais des conneries, t'assumes. Tu portes tes couilles un petit peu et tu assumes. Et du coup voilà, et donc apparemment comme on fait passer pour une menteuse, pour une fille que je ne suis pas, alors que voilà, nous sachons que moi j'ai tout donné pendant 3 ans, parce que ça fait 3 ans que j'étais avec cette personne, j'ai tout donné, j'ai fait tout mon possible, etc. Comme vous avez vu, je lui ai apporté des abonnés, je lui ai apporté je lui ai apporté de la notoriété, je lui ai tout apporté, c'est moi qui ai tout fait pour lui. Et aujourd'hui on me fait passer pour une menteuse, donc déjà on me trompe deux fois, et on me fait passer pour une menteuse en plus de ça, au lieu d'assumer directement. Donc il t'a trompé avec qui, ça n'a pas d'importance, il t'a trompé avec deux meufs, voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Crache pas dans l'octabus, non, je crache pas du tout dans l'octabus, dans l'objet-bus, c'est juste que je rectifie les petits trucs qu'on dit sur moi, parce qu'on raconte de la merde. Voilà, et du coup, mis à part ça, le fait qu'il m'ait trompé deux fois, et ça c'est un fait, et j'ai même des preuves ou quoi que ce soit, donc s'il veut raconter de la merde et continuer à raconter de la merde, à dire que c'est faux, je balancerai directement les vérités, les personnes, les vérités, etc. Je balancerai tout, tous les screens, etc., où je dis clairement qu'il m'a trompé. Et ensuite, de deux, ce que je voulais dire, c'est que oui, cette personne qui raconte de la merde n'est pas une personne de confiance, qui raconte beaucoup de merde sur tout le monde, qui était là à dire tout le temps... c'était mes amis, en fait. Mes amis, comme vous pouvez savoir, Jules, que ce soit Clara, Sullivan, Bilal, Alix, Johan, toutes ces personnes-là qui sont mes amis. Et bah, cette personne a craché sur le dos de toutes ces personnes-là, donc qui vient faire le croc après, parce qu'après, quand elle les croise dans les soirées, quand elle croise Alice ou n'importe qui dans les soirées, il est là à dire ah, ça va, tu vas bien, taper la bise, alors qu'en vrai, il crache dans le dos. Donc, déjà, ça me choque. Donc, à ne pas vouloir assumer, c'est bête, c'est dommage et c'est bête d'en arriver là. Voilà, donc c'est ça que j'avais envie de dire aujourd'hui. Donc il y avait toutes sortes de merde. Hein. On disait que Bilal était un esclave avec son collier pendant la Gay Pride, il avait mis un collier. Et donc ça parle en mode c'est un esclave. Ça parle de Clara aussi, on dit que qu'elle ressemble, voilà, une surface de moi, qu'elle ressemble à un pouce, à une saucisse. Ça balance sur Antonin qui le déteste en disant qu'il n'a pas d'âme. Et voilà, et ça balance à peu près sur tout le monde, sur Thomas aussi, c'est Thomas qui est là sur ce live, ça balance sur Thomas aussi, ça parle sur lui en disant que c'est un bouffon, etc., et sur toute autre personne. Et ensuite quand ça croise à des soirées, ça vient taper la bise, ça vient dire bonjour, ça vient faire ami-ami et ça vient parler de moi avec mes amis, chose que je ne cautionne pas du tout. Est-ce qu'il te parlait mal de... Oui, c'est ça le truc en fait, c'est qu'il parlait mal de tout le monde. T'as les preuves, t'as les screens. Et si il veut, voilà, Alix est là aussi, Alix peut confirmer. S'il veut nier. Donc s'il veut nier, j'ai les screens, tout est sur mon téléphone, j'ai les screens de toutes les discussions.
je sortirai pas l'escrime parce que je suis pas une connasse à ce point là, si je le suis un petit peu là. Mais je sortirai pas l'escrime, juste je fais une petite alerte parce qu'apparemment ça parle sur ma gueule et ça raconte de la merde sur ma gueule, ça me fait passer pour une menteuse. T'as voulu me faire passer pour une menteuse, chose que je ne suis pas. Fais comme bon te semble, mais viens pas gratter l'amitié avec mes potes avec qui tu crachais sur le dos. Et viens pas nier tout ce que t'as dit et tout ce que t'as fait en 3 ans. Voilà. De qui elle parle de son ex. Je me brûle la bouche. Elle parle de qui? Je parle de Félix. Du coup, tu l'avais pardonné la première fois. Alors oui, je l'avais pardonné la première fois. Et la deuxième fois, bah, je l'apprends aujourd'hui. C'est pour ça que tout à l'heure, quand vous m'avez demandé ce qu'il a trompé, j'ai rien dit, je lui ai dit oui. Chose, voilà, je réponds normalement parce que voilà, je vais pas me cacher, je vais pas dire non. Sparkdise est là aussi, il peut confirmer aussi. Alors attendez, ils mettent mon live sur la télé, ils sont vraiment cons. C'est cool. Thomas et tout. Qui est choqué? On a vu les screens. Voilà, Sparvice qui dit qui est choqué, on a vu les screens. Voilà, y a pas... tous les screens sont là. On a tous, je vais pas les sortir et j'ai demandé à personne de les sortir parce que j'ai pas envie de sortir ce genre de choses. Juste je le dis parce qu'on me fait passer pour une menteuse. Et ça fait le mec choqué en mode oh, mais ça me choque de mentir à ce point-là. Ça veut essayer de se garder une bonne image. Alors qu'au fond, t'as pas une bonne image. Tu racontes de la merde sur tout le monde, tu dis de la merde sur tout le monde. Tu trompes la propre personne avec qui t'a fait évoluer, qui t'a fait tout faire, qui t'a fait grandir. Dans ce cas-là, assume, dis oui, je t'ai trompé, oui, j'ai fait ci, ouais, j'ai fait de la merde, assume-le. Arrête d'essayer de te cacher derrière moi ou de te cacher derrière qui que ce soit. Moi, je m'en balais que les gens n'en voient pas la peine, mais c'est juste que je voulais rectifier ce petit point-là parce que tout le monde parle, et surtout lui, il parle beaucoup, il dit beaucoup de merde, et ça parle de ma vie, c'est quand même ma vie à moi, c'est je suis restée quand même 3 ans avec cette personne, ça parle de moi, donc c'est normal que ça me touche. Donc j'ai juste voulu rectifier ça avec vous. Parce qu'après ça va faire des histoires, moi lui va dire elle a menti, après ils vont venir me voir en me disant d'année t'as menti, moi je vais dire non, j'ai pas envie de parler 20 000 fois, je vais faire un live et ce sera le seul live où je vais parler de ça, où je vais tout dire. Et Léo c'est mon copain et tout va bien, tout va très bien avec lui, il n'y a pas de problème avec lui. La situation aujourd'hui, pourquoi vous êtes quitté? On s'est quitté pour d'autres raisons, parce que ça allait plus, parce que voilà, comme dans tous les couples ça va plus. Parce que c'est un mec avec qui j'ai tout donné, et en gros, pour résumer notre relation, c'est un mec avec qui j'ai tout donné et qui n'a jamais rien fait pour moi. Ouais, je pourrais mettre ce live en replay. Oui, ça fait 2 mois que je suis avec Félix. Avec Félix, avec Léo. Ouais, parce que Félix, frère, manquerait plus que ça. Est-ce que tu regrettes ta relation avec lui? Non, jamais regretter les relations que tu as avec les gens. Ça sert à rien de regretter. C'est un mec qui a fait partie de ma vie 3 ans. J'ai partagé beaucoup de choses avec lui, des voyages, etc. Je regrette pas les trucs comme ça. Mais juste les passages où on m'a menti, etc. sur plein de choses. Quand tu demandes aux gens, ouais, est-ce que, enfin, quand je lui demande, est-ce que tu m'as trompé, et qu'on me dit, je te jure, sur la tombe de mon beau-père, qu'on me dit non, là, par contre, c'est un autre problème. Ah, moi je vais très bien, moi y a pas de problème, c'est juste je voulais rectifier le petit problème parce qu'on parle sur ma gueule, on me fait passer pour une menteuse à moi, alors que je suis très loin d'être une menteuse, j'ai toujours tout donné, j'ai toujours tout fait, et voilà. C'est bien, on est 6400 à m'écouter. Et ça m'est allé rare que tu leur parles plus. Non, eux je leur parle plus, mais c'est pour une histoire différente, c'est comme ça, j'ai rien sur eux, je m'en fous. C'est juste lui en fait qui parle parce que les deux ils parlent pas, ils, on s'en fout de toute façon, c'est juste mes copains, c'est comme ça, c'est la vie. Mais oui, ça parle, c'est juste mes copains, je m'en fous, je parle pas d'eux, ils parlent pas de moi, y'a pas de problème. Mais quand ces personnes là parlent de moi, donc Félix parle de moi, parle sur ma gueule en disant ouais c'est une menteuse, ouais c'est ça, c'est des trucs qui me plaisent pas parce que c'est quand même ma vie, ça parle de moi, vous voyez, vous êtes ma communauté. Chaque fois il y a des histoires en mode sous ses photos ça commence ci, sous mes photos ça commence ça, ça me demande si je suis plus avec Félix, ça parle tout le temps sur ses lives, ouais alors Danae, nanana, moi sur mes lives, ouais alors Félix, voilà c'est juste un live pour te rectifier. Alix, est-ce que tu confirmes ce que je dis? Toi tu as trouvé Félix? Non, j'ai jamais trouvé Félix, c'est bien ça le problème. C'est que moi j'ai été trompée 2 fois et moi j'ai tout donné et on me trompe 2 fois.
Après, ça arrive d'être trompé. Hein. Tout le monde se fait tromper un jour ou quoi que ce soit. Mais quand tu donnes tout, etc., que tu donnes de la notoriété, tu fais rapporter de l'argent, tu crées la personne qu'il est aujourd'hui, tu le pousses vers le haut toujours. Je ne l'ai jamais mis vers le bas, j'ai toujours poussé vers le haut. Et qu'on te remercie comme. Pourquoi tu fais passer une complimenteuse alors que c'est lui qui t'a trompé? Ben c'est ça en fait, c'est ça que je comprends pas. Parce que tout le monde lui a dit, ouais, Danny t'a trompé sur son live, apparemment, ce que j'ai vu, on me l'a envoyé. On m'a dit, ouais, elle a dit que tu l'avais trompé. Et sa réaction, ça a été, mais ça me choque de mentir à ce point-là, c'est chaud. Assume, porte tes cojones et assume-le. Parce que ma communauté, en fait, c'est sa communauté. C'est tous mes abonnés qui sont venus à lui. C'est pas sa communauté qui s'est créée, c'est mes abonnés qui sont venus à lui. La roue tourne, ouais, je sais que la roue tourne, mais c'est juste, ça m'énerve qu'on parle sur moi alors que moi je demande rien. Justement, je vais pas dire que je suis la victime dans l'histoire, mais je demande rien. Et on parle sur moi comme ça alors. T'es la victime dans l'histoire? Oui, je suis la victime dans l'histoire, mais oui. Je n'ai pas envie de me faire passer pour la victime, j'ai pas envie que les gens pleurent sur mon sort en mode oh la pauvre. J'ai juste envie de. Oui, non, je vais très bien, surtout que je suis en couple, donc vous avez déjà vu sur mes stories que j'étais de nouveau en couple. Mais voilà, quand ça vient à des événements, t'appelles la bise à mes potes, alors que dans le dos, ça parle en mode collier esclave, tu ressembles à un pouce, tu ressembles à ci, tu ressembles à ça. Mais attends, mais j'ai des trucs. Non, mais je ne montre pas parce que j'ai pas envie de montrer. Juste, je regarde ce qui s'est dit. Ouais, donc t'as pas d'âme. T'as un bras saucisse, Leicester. La pire victime de la société, c'est lui, en s'envoyant plusieurs photos de plusieurs youtubeurs, de tous mes amis youtubeurs en fait. On dirait une folle, je la déteste, elle a oublié ses lèvres, en parlant d'une très bonne copine à moi. Il est sérieux, quatre moches, elle on dirait mon cul, on dirait un zombie. Je le déteste vraiment, MDR on dirait un pouce, un boudin noir. Il a un colis pour être un esclave. Ça c'est raciste hein. Donc ça parle de Bilal par exemple. Non, parce que ça m'énerve de faire l'hypocrite et de venir dire bonjour à mes amis alors que tu au fond t'es en train de les critiquer en fait. Je t'ai pas vu. Parle pas à mes amis, laisse-moi tranquille. Idiote, on voit dans tes lunettes. Bon, c'est pas grave, je m'en fous. Non, j'ai supprimé toutes mes photos avec lui. Comment ça se fait qu'il ait encore des photos sur Insta avec toi? Bah, je sais pas, parce que je lui ai demandé de les supprimer et il les a pas supprimées. Demande si c'est bien. C'est bien ou pas? Ouais. Il est avec qui là? Johan Wesley. Il parle de Lena pour ses lèvres. Il n'y a pas Gossip YouTube. Non, mais Gossip YouTube, je lui parle et il est au courant de toi aussi. Et toi, t'as jamais parlé de lui avec tes potes? Bah, ça arrive forcément quand je t'embrouille avec lui, quand je suis avec mes potes, à dire regardez, il a fait ça, son bouffon et tout. Ça arrive à tout le monde. J'ai déjà parlé mal de Félix quand j'étais avec mes potes. Ça, c'est normal. Il a dit comme au cinéma. En fait, c'est pas une histoire qui s'est mal parlé, c'est des propos extrêmes utilisés. Ah oui, non, c'est très grave. Non, mais c'est très grave. Et le pire, c'est qu'ils auraient pu dire ça. Je m'en bats les couilles, j'aurais jamais parlé de ça parce qu'ils font ce qu'ils veulent dans leur vie. S'ils veulent critiquer les gens, ils critiquent les gens. Et que tu viennes dire leur dire bonjour, leur gratter l'amitié, faire genre tes potes avec eux alors que pas du tout, alors que tu craches sur leur dos. En plus, me faire moi passer pour une menteuse alors que c'est moi qui t'ai tout apporté. Je t'ai apporté les likes, je t'ai apporté les followers, je t'ai apporté l'argent, je t'ai toujours tout payé. Ça va deux minutes. Au bout d'un moment, assume. Si t'assumes, tu dis dans tes lives, ouais. Ok, j'ai dit ça, ouais, je l'ai trompé. Ok, bah assume, juste assume. Si jamais on me fait passer pour une menteuse, j'aime pas parce que vous êtes ma communauté. Je partage toujours avec vous, je vous partage toute ma vie privée, toute ma vie tout le temps. Dès que j'ai un copain, que ce soit peu importe, c'est ma vie quoi. Je vous le montre, je m'en fous, j'ai pas envie de me cacher. Genre, vous avez vu mon nouveau copain, j'ai un nouveau copain avec qui je suis très heureuse aujourd'hui. Et je vous ai posté dans des stories avec lui. Je me cache pas, voilà, je vous raconte tout le temps quand il y a des problèmes. Vous savez quand j'étais plus avec Félix, vous savez quand ça va mal, quand ça va pas. Et quand ça va très bien aussi, vous savez, je vous partage toute ma vie. Et là, comme ça touche à ma vie, ça touche à mon quotidien, entre guillemets, bah, j'ai besoin de parler de ça avec vous et de vous dire, parce que si on me fasse passer pour monter, ça, j'aime pas. J'aime tellement ta personnalité, wesh, merci beaucoup. Est-ce que Félix connaît Léo? Non, ils se connaissent pas personnellement. Ça a fait une phrase philosophique, vas-y. Ça fait combien de temps que tu n'es plus avec Félix? Ça fait 4 mois, je crois. Déjà? Grave, qui commence stop. Quoi? Non, ça fait 3 mois.
ça sert à rien d'arrêter. J'ai lu l'arrête pas, ça sert à rien d'arrêter. Qui a dit stop? Raph. Raph. Ouais. Ouais. Dans quel rapport? Raph, tu peux partir du live. Tu n'es pas convaincu dans ce live. Mais en vrai, c'est raciste de ouf. Là, la caméra est tournée, non? Ouais. T'es heureuse avec Léo? Ouais, Dieu merci, vraiment. Léo, c'est vraiment une personne qui me porte vraiment vers le haut et qui me rend heureuse. Qui me respecte et qui me rend vraiment heureuse. Je suis témoin. Bah, il y a de rêves, les témoins. Voilà, parce qu'on peut passer pour une menteuse. Les gens sont là et les gens disent ce qui s'est passé. Je témoigne. Vas-y Maya, témoigne. Je n'étais pas heureuse avec Félicie, j'ai déjà été heureuse avec lui. Mais comme toute, quand je suis avec quelqu'un, forcément, tu vas pas rester malheureuse toute ta vie. Mais c'est juste, on m'a trompé une fois, j'ai pardonné, je suis restée avec cette personne-là. À partir du moment, forcément, tout a changé, parce que quand on trompe, forcément, la confiance, elle part, etc. Donc la relation a changé. Et vers la fin, c'est pour ça que ça s'est arrêté, c'est juste qu'on était plus heureux, lui et moi. Comme ça, c'est des trucs, c'est normal, genre c'est la vie de tous les jours. Ça arrive à tout le monde, c'est pas ça le problème. C'est juste, je demande qu'on parle pas de moi, je parle pas de toi. Dans mes lives, je suis pas en train de raconter de la merde sur toi. Toi, tu racontes beaucoup de merde sur moi sur tes lives, parce que je vois souvent. À chaque fois, je vois les trucs qu'on m'envoie, etc. Comme quoi, tu parles sur moi. Et tu parles sur mon copain d'ailleurs, en racontant de la merde sur lui, en disant qu'il ressemble à un poisson, etc. Voilà, si tu t'en fous de ma vie, etc., et que tu penses en moi, fais ta vie et ne parle plus de moi. Pourquoi tu réponds à des questions sur moi sur live? Ne parle plus de moi, ne parle plus de mon copain, ne parle plus de moi et laisse-nous tranquille. Les filles, genre, il a dit que Clara Marche ressemblait à un orteil. Non, à un pouce. Pas un orteil, un pouce. Une saucisse aussi, ouais. On s'est tapé le matin. Un vrai basket dans les règles de l'art. Octogone Léo Félix, c'est cool. Non, c'est juste le dernier live auquel je parlerai et je répondrai aux questions. Il a fait quoi pour te tromper? Thomas, je l'aime. Elle a jamais été aussi honnête, exactement. Il a dit quoi à Alix à propos de Dimitri sur sa story? Je sais pas. Non, mais il a parlé. Attends. Si je réponds aux questions. En plus Léo est vraiment adorable, ouais. Est-ce qu'il paraît que tu parles de moi? Tu pourrais mettre en live en rediffusion? Ouais, je le mettrai en rediffusion. Tu regrettes de l'avoir pardonné la première fois? Bah, en soi, oui et non. Oui, parce qu'en fait, la phrase qui trompe une fois trompera toujours est vraie.